Quelle est la relation entre un donut et la gouvernance partagée? Bonjour, nous sommes David et Benjamin de l'Instant Z et nous allons utiliser ce donut pour vous expliquer la gouvernance partagée en 2 minutes. Aujourd'hui, beaucoup de nos organisations en ont marre du chef. Vous savez, ce personnage central qui doit prendre toutes les décisions, qui doit rassurer le comité de direction, définir la stratégie, le budget, prendre soin de ses collaborateurs, répartir le travail, etc., etc. En bref, même pour un excellent manager, c'est mission impossible. Alors qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Eh bien c'est simple, on décide de virer le chef. Le problème, c'est que si on s'arrête là, on obtient un donut. Notre organisation, ici représentée par un cercle, se retrouve avec un centre vide. Et alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est que tout le monde décide de tout ensemble en prenant des heures pour se mettre d'accord. C'est alors le consensus pur et dur qui va vite entraîner un manque d'efficacité et un désengagement des membres. La deuxième, eh bien, c'est que les membres de l'organisation partent chacun dans leur propre direction en fonction de leurs envies, de leur intuition. Avec comme principal risque une perte de confiance et de collaboration au sein de l'équipe. Non, clairement, le centre vide, c'est trop risqué. Mais alors, que faire? Eh bien, c'est là que la gouvernance partagée intervient. On va remplir le trou du donut avec 4 éléments. Un objectif commun. Qui on est, pourquoi on existe, où on va. Une répartition claire des tâches et des autorités. Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Ensuite, différents types de réunions. Comment on synchronise notre travail? Comment on fait circuler l'information? Et finalement, des éléments d'amélioration continue. Quel regard est-ce qu'on peut porter sur notre façon de fonctionner? Comment améliorer les choses? Et pour savoir si la gouvernance partagée est faite pour vous, n'hésitez pas à venir découvrir et expérimenter nos processus lors de nos différentes formations à Bienne, Fribourg et Genève. Ou bien lors de nos soirées de présentation. À Fribourg et Yverdon-les-Bains, c'est les 22 janvier et 5 février prochains. Toutes les informations ci-dessous.